Bon, je ne sers pas toutes les mains. Je suis en campagne que demain aujourd'hui. Derrière l'aspect agricole, il y a l'aspect social, c'est que. Et il y a des personnes qui viennent du bourg, qui viennent chercher deux carottes, un poireau et puis un chou pour la soupe du midi, et qui vont venir mardi, mercredi, jeudi. Et ça, je pense qu'il y a ce lien social qui est indispensable aussi. C'est l'esprit de cette rue d'ailleurs, hein, puisqu'au départ, c'est quand même une volonté de créer du lien dans cette rue, en complémentarité avec bon, les commerces dits plus traditionnels. Voilà. Chez vous. Alors là, c'est la dernière boutique, c'est les derniers qui se sont installés, puisque là, c'était la presse. Donc c'est avec plaisir ce matin que la population de Tenon et du Tenon élargi vous accueille pour l'inauguration de ces boutiques d'artisans d'art et cette boutique de producteurs et de cette salle qui permettra l'animation des uns et des autres, à la fois de la vie associative de Tenon, des expositions, parce qu'il y a une petite salle qui peut être fermée en exposition. Et sans oublier pourquoi a été faite cette salle au départ, qui a marché. Donc le mardi a lieu le marché, et le reste du temps, on peut avoir lieu des spectacles. Donc la scène est montée, ça diminue un petit peu l'espace, car ce soir, on a une pièce de théâtre du Feydeau qui sera jouée ce soir. Voilà, donc cette salle peut être dans les deux sens. Lorsqu'on ferme les portes, c'est une petite salle pour 150 personnes, et lorsqu'on monte la scène, dans ce sens, on a une salle un peu plus grande, donc c'est une salle à géométrie variable. Donc, quoi vous dire, ce matin, on a visité. Donc, l'esprit, ça a été dit, c'est qu'au départ, la grande rue de Tenon était une rue avec des commerces. Tenon est un bourg de commerçants depuis toujours. Le marché, c'est d'ailleurs un clin d'œil à l'histoire. Le marché a été créé en 1515. Donc c'est les 500 ans du marché de Tenon qu'on peut célébrer aujourd'hui. Il y a une vidéo qui passe sur le mur et qui donne des cartes postales de Tenon. Donc 500 ans après, il était bien temps de rénover le marché. Et c'est ce qui a été fait grâce aux aides des uns et des autres. On a réussi à associer les commerces purs et durs du haut de Tenon avec cette partie ici qui joint l'associatif, le culturel, le social et qui assure la cohésion d'un territoire.